Merde, il l'a chauffé. Ceci a été intégralement enregistré. On n'est pas dans la... Oh, merde. Ben bienvenue à la Dagobert Pop Session, on accueille The Fuga Shack, c'est un peu les 4 size pour moi, donc il y a Nadia, Clélia et puis Lola, donc ben, ravi de vous accueillir. Moi c'est Pam hein, que vous appelez, j'ai une 4 size, j'adore. Pardon, vas-y continue. On peut l'appeler comme ça maintenant, Pam. Pam. Donc vous n'êtes peut-être pas du même univers, hein, j'ai l'impression, musical. Et en fait, là, il y a un terreau commun autour de tout ce qui est blues et folk. Racontez-moi un petit peu votre rencontre. Allez, Pam. Allez, Pam. Oh non. Voilà, Pam raconte comment on s'est rencontrés. Avec Nadia, on chante ensemble depuis très longtemps déjà. Ça fait 10 ans hein, qu'on chante 11 ensemble. 11 ans. 11 ans. Et à chaque fois, je dis 10 ans. Mais non, 11 maintenant. Et voilà, on chantait toutes les deux, surtout des gospels. Et puis, Cléa a été amenée à chanter avec nous, il y a quoi, il y a 2 ans et demi à peu près. Et puis, en fait, le courant, il avait très très bien passé, et on a eu envie de se faire un répertoire un peu plus roots. C'est-à-dire qu'on chantait des gospels, mais tu sais, les trucs que les gens ont l'habitude d'entendre, quoi, Rapidet, tout ça, One Set Set, on avait envie de changer. Et on est parti on a cherché des trucs... Un répertoire beaucoup plus blues, ouais. Ouais, voilà. Des choses qui nous faisaient vraiment envie et qui... Et voilà, et on a commencé, on s'est dit, tiens, allez, hey, on fait un groupe, ouais, cool. C'est vraiment comme ça, hein. Et on s'est dit, bon, on va faire une résidence pour commencer à créer. On a fait première résidence il y a 2 ans, on savait pas du tout ce qu'on allait faire, on est avec nos instruments, tout ce qui faisait du bruit un peu chez nous, tu vois, une avec sa théière, l'autre avec sa poêle à frire. Non, mais vraiment, en plus, vraiment. Mais j'ai vu la théière, mais oui. Elle vous accompagne partout, apparemment. Absolument, et l'idée, c'était ça, c'était d'essayer de s'amuser sur les musiques qui nous plaisaient vraiment. Watch the Et du coup, c'est comme ça que vous avez sorti l'album Totem, enfin l'album l'EP Totem. Ouais, c'était un peu plus tard, ça c'était en juin dernier, et il a fallu qu'on compose. C'était pas notre idée première, au départ on voulait vraiment faire de la reprise, et puis finalement, naturellement, c'est venu, toi t'es arrivé avec une compo, puis ainsi de suite, et puis on a voulu mettre ça sur un CD. Et donc il y a un instrument que apparemment assez peu de gens connaissent, qui s'appelle l'auto-harpe. Et donc tu t'accompagnes avec l'auto-harpe, tu rajoutes de la guitare et puis il y a du tambour, c'est ça? Donc c'est ton petit côté indien. Alors, ouais, enfin je joue de la basse aussi en fait. Oui, c'est vrai, mais sinon tambour, tom basse, qui se balade, fait des percussions, ouais. Ouais, mais le tambour c'est vrai que c'est ton truc. C'est plus le tambour, c'est que elle. Ah ouais, c'est elle. Complètement. Rough nature forever free. We've only been one shade. No numbers ever touch the movie scene. All the time and time we have. Et du coup, en termes. Je dirais d'influence. Qu'est-ce qui vous titille? Oh non, mais Maria n'est pas chanteuse. C'était qui au début dans un premier temps? On a écouté Elizabeth Cotton, R.L. Burnside, Robert Johnson. Et puis après tout ce qui est côté un peu percussion corporelle aussi qu'on ajoute. C'est vrai qu'il y a un peu peut-être... Donc, du coup, un peu Camille aussi. Un peu Camille. Ouais. Voilà. Moi, ouais, je sais pas. J'aurais pas quoi dire d'autre. Maya Jackson aussi, les gospel. Maya Jackson. Mais vous pouvez m'improviser un petit truc, genre en percussion corporelle. Ça donnerait quoi? Mary, en fait. Wade. Allez, c'est pas grave. Je connais pas, moi j'ai la guitare normalement, je vais la prendre.
Bathe in the water. Bathe in the water, children. Bathe in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. Yeah, ben merci beaucoup. Et puis ben, j'espère que vous repasserez ben, me faire un petit coucou avec vos projets perso, voilà. Ah, avec plaisir, cool. Merci. Bon, yes. C'est l'instant gêne là. On coupe, s'il vous plaît. Coupez. Je me rapproche. Viens. Elle crie de guerre. Attention, 1, 2, 3. Yeah, baby!